Non, c'est juste une confirmation. C'est juste, on savait qu'on était capable de faire ce temps-là. On sait qu'on peut faire encore mieux. Donc non, c'était juste une saison qui est bien menée. Dans le sens où, avec la Fédé, on a fait des choix. J'ai décidé de ne pas faire une grosse saison parce qu'il y avait pas mal de choses à gérer à côté. Et donc voilà, c'était le choix de gérer la saison comme ça. Non, c'est pas c'est ça, c'est vraiment juste une confirmation de ce qu'on a mis en place et c'est le début, c'est le début. Nous, notre saison, elle commence maintenant. Après, j'attends encore plus de monde. Là, c'est vrai que c'est le matin, les gens se réveillent. Nous aussi, ça a été dur le réveil. Donc je sais qu'en finale, ils seront nombreux. Donc l'objectif, c'est d'aller en finale pour vraiment tester ce public parisien et qui nous pousse, les deux Français. Et c'est l'objectif. 200 mètres, ça sera pour vendredi. Ouais. Est-ce que tu es prêt à relever ce défi également? Tous les défis, sont on est prêt à les relever. Maintenant, c'est étape par étape. Là, pour l'instant, c'est le 400. Il y a eu les séries. Demain, il y a la demi-finale. Après, mercredi, il y a la finale. Donc voilà, étape par étape. Et après, on vous reposera la question, je vous répondrai. Faire en sorte que le corps soit prêt le jour J. Beaucoup de repos, gérer les temps à l'hôtel, etc. À deux, à trois même. C'est assez compliqué d'être là à rien faire pendant X temps. D'attendre le jour précis de la course et de courir. Donc aujourd'hui, le job est fait. On va se reposer, récupérer et faire taf demain si ça passe.